Et salut vos YouTube, bienvenue sur l'épisode 1 du Let's Play Cyberpunk. Voilà en face de notre personnage. C'est qui part? What the fuck? Les Baker? Module de couplage électrique. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. Et que vous étiez sûr. Je me suis trompé. Vous pouvez toujours essayer un autre garage qui ne demandera pas à un nomade ce qu'il fait seul près de la frontière. Ça me va. Poussez-vous. Quoi? Vous avez une idée de ce que vous faites? Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va se gripper. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Non. Ok, on va voir ce que ça donne. Vous l'avez bien dit. Ah non, 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 non. C'est pas trop mal. Mais la question c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. Je cherche quelqu'un. Jackie Wells. Est-ce que vous savez... Vous voyez? C'était pas si dur. Pas mal, mais ça tiendra pas. Autant tout recoller avec de la salive et du scotch. Ce qui compte, c'est que ça marche. Ok, le prince. N'a pas l'air en très bon état, hein? Vous devez pas capter grand chose. Sans déconner. Oh non, le flicus. Salut Mike, je savais pas que t'avais un client. Il a débarqué il y a quelques heures. Je pensais qu'il s'était signalé. Allez, t'en fais pas, Mike. On va mettre les choses au clair. Oh le vieux flicard. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de. Expliquer ce qui vous amène. Comment ça va? Ah, très, très bien. Peut-être même très autour bien. D'une tasse de café. Vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps. Ça répond pas vraiment à ma question, ça. Je m'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler. On va rien dire. Une d'argent des forces spéciales pendant la dernière guerre. Non? Non, ça me dit rien. Je crois qu'on va pas s'entendre. Oh oh. Décide de nous casser les couilles, lui. Oh le chien. Culture de nomade. J'aurais dû m'en douter. En vrai, on va la faire cool. On n'a pas besoin de se prendre la tête. La répare et je m'en vais. J'ai pas de raison de rester ici. Ouais, je vous le fais pas dire. Bah voilà, il nous laisse nous casser et on va pas te déranger. Plus que les chiens errants. Oh. Votre clan, où il s'est installé? Il y a pas de clan, et pas de camp non plus. Je suis tout seul. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Ma famille s'est séparée. C'est pour ça que je vais à Night City. Alors vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben, j'espère que... Vous resterez pas longtemps. J'ai vu une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée. J'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, bah moi, j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je peux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair? La première maison de poupées d'Antarctique vient en effet d'ouvrir ses portes. Oh, j'ai envie de devenir un connard. En fait, soit je la joue tranquille, chill, un petit pote. C'est à vous que je pars. Et je lui dis, je veux pas de problème. Mais vas-y, on lui rentre dedans. J'aime bien le son de votre voix. Hein? De quoi vous parlez? Ça veut dire quoi, ça? Rien. Rien du tout. Ah, merde. Attends. Je me rappelle plus de toutes les touches parce que je suis sur manette.
et j'avoue que je connais pas encore très bien la manette. Merde, alors ça c'est des... Très bien. Je crois que ça c'était descendre. Oh là là, la maniabilité à la manette c'est pas la même, hein, j'ai l'impression. À moins que ça soit moi. Peut-être. C'est pas le moment. Boubou, tu as besoin de bol. Magnetic box, ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on passe. Comment on court déjà? Ça c'est sauté. Même que ça, c'est ce que je pense. Et ça c'est les esquives. Ouais, en tout cas par contre, peut-on parler deux secondes du fait que le dernier let's play qu'on avait fait ensemble, c'était un let's play qu'on avait fait les gars en low, tu vois. Le jeu n'a vraiment pas la même qualité. C'est pas du tout les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes détails. Le jeu est vraiment beaucoup plus beau. Quel plaisir. Allô ? Vital. À toi ? Je te reçois, ça y est. Willy McCoy, c'est bon de t'entendre. Hey, j'aimerais pouvoir en dire autant. J'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. Encore une dernière fois? Je dois trouver le client qui a ma cargaison. Mais je sais pas où il est. T'es sûr que t'étais au bon endroit au bon moment? Hein? Ma caisse m'a lâché, le couplage électrique. J'ai du bol d'être arrivé jusqu'ici. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi? Ok. Mais c'est la dernière fois. T'as le nom du client? Jackie Wells. Ah, c'est Jackie. Ouais, il a laissé un message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géoloc. Ah, merci, Willy. Je te revaudrai ça. T'as intérêt. Essaie de pas te faire tuer. Il m'appelle plus. Une cour descend. Ok, j'ai trouvé comment on sprint, c'est cool. Attends, est-ce qu'on peut se mettre en... Est-ce qu'on peut se mettre en vue intérieure? Changer de caméra. Oh, let's go. C'est beaucoup plus immersif comme ça. What? En fait, le jeu est sur les deux écrans comme ça. Comme ça, il est sur les deux écrans. T'avais la map ou quelque chose comme ça. Ah non. Il y a une mini map en haut quoi. C'est joli hein. Les détails et tout, ils sont vraiment beaux hein. C'est vraiment beau. J'ai cru que j'allais devoir me reconvertir en fermier. C'est toi que j'attends, j'espère. C'est toi, Wells? Jackie. Por favor. Moi, c'est V. T'as une cargaison à transporter, apparemment.
De là d'où je viens, on se présente avant de parler affaires. C'est une sorte de tradition. Ou juste les bonnes manières, tu me suis? T'es un homme de principe? Il en faut bien, S.C. Au moins, il te restera toujours ça si jamais on te prend tout le reste. Ok, dans ce cas, on commence par toi. Je suis né à Night City, un pur produit d'Haywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand-chose. Bah, imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou un cousin éloigné. Ah ouais. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Haywood. Et tout le monde porte un cracheur. Et toi? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Haywood. Toi et moi, on va s'entendre à merveille. La cargaison. Faut mettre ça dans la voiture. On va pas savoir. Ah ouais, bon. On travaille bien, on pose pas de questions. On fait le job. Sans chercher plus loin. Je commençais à penser que tu viendrais pas. J'ai été retenu. T'as pas été super facile à trouver. C'est beau les couleurs. Ah, hein. J'ai préféré pas faire de vagues. Ce comte shérif, il avait pas l'air commode. Claire. On sait pas ce que c'est, hein, Valia. Non, je crois qu'on sait réellement pas ce que c'est pour le moment. C'est pas ce que tu penses, à mon avis. Ça pèse une tonne. C'est pas le truc qu'on doit voler avec Jackie plus tard. Bon, on décolle. Est-ce que t'as le manifeste pour le transport? Évidemment. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot? Si, si. Je voulais juste être sûr. Écoute, mon grand. On est tous les deux des pros, ok? Te le montrerai plus tard. Hey, je sais pas. T'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc? Pourquoi? T'es nerveux? Moi? pour le favor. Oui, oui, t'es nerveux, Jackie. Ok. Peut-être un peu. C'est beau! Le jeu est beau. One Night City là-bas. Hey, on approche de la frontière. C'est quoi la suite? Rien. Il faut nous scanner et contrôler nos papiers. Ah. Ok. T'inquiète, laisse-moi parler. On y va doucement. Chips. Chips. Regarde. Mon personnage, c'est littéralement toi. Oh non, on voit pas. Moi, je veux qu'on voit mon personnage. Oh, regarde, c'est toi. Je te jure que tu pourrais ressembler à ça. Derlabu. Ah, t'es aussi BG, hein. Détache-lui les cheveux et en vrai, on est pas loin, hein. Au bordel. J'ai un très mauvais pressentiment. Passe-moi le manifeste, ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la barbe là, il y a moyen en plus, en mais gros, oui. La hein. Cargaison doit être perdue dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Waouh. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Putain, ah, madre. Et maintenant? Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. T'as la puce de crédit avec le bakshish? Oh, ouais. J'avais oublié. Ouais, ouais, tu voulais garder la thune. C'est ça. Oublié. Oh, les couleurs sont belles, le jeu est tellement beau. Je laisse tourner le moteur, au cas où ça parte en couille. Okay. Je vais beaucoup contempler parce que j'avais vraiment eu le temps de survoler le jeu avec la qualité graphique basse. Mais là, le jeu est vraiment très très beau. On peut mettre un peu plus de light sur toi. Décale le jeu
Ça détonne entre le jeu et la cam. Pour moi, tu veux dire ? Poste de douane et sans délai. Attends. Propriété. Tirer la vidéo. Tu veux dire comme ça ? Alors, le poste de douane, il est où ? Là-bas. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Oh, le Glock. Présentez-vous en salle numéro 2. Après avoir mis le feu à Tokyo, Sydney et Paris, elle s'apprête à débarquer chez vous. Asseyez-vous. Au papier. Un petit peu trop là, ok. J'ai trop beau par contre. Ouais, non, je vais vraiment papier, trop beau. Plus vite que ça. On va mettre à 50, ça devrait être pas mal. Là, normalement, ça doit être fine. Tendre les papiers, c'est un contrôle de routine. Je connais le topo. Je sais comment ça marche. Tout est là. Peut-être, ou peut-être pas. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez ? Tout est là. Non, qu'est-ce que vous transportez, là, il veut savoir. Vous êtes sûr ? Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez. Je pense pas vraiment que ça vous regarde. Ah, vous croyez vraiment ? Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Mais ne rentre pas dans son jeu. On veut juste passer. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. Je pense qu'il y a un côté où tu peux faire... Tu peux faire en sorte que ça parte en couille. Ils m'ont flingué. Attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. Oh, un nouveau compagnon. Là, j'ai ma veste avec les pubs, j'étais dedans, ils m'ont niqué mon truc là. Je te jure. Comment ça s'est passé ? Le jeu est trop... Oh là là, non, la couleur ! Non, le jeu est tellement immersif, il est tellement beau. Avec la petite patte graphique là. Je suis vraiment amoureux de ce jeu. Hein. J'adore ce genre d'ambiance cyberpunk déjà. Et tu rajoutes à ça que le jeu est vraiment bien fait. Disons que j'ai un mauvais pressentiment. 16 mois, hein. Merci beaucoup, hein, Chips. Ah, merde. Et ça t'arrive souvent ? C'est rare. Ah, les visages aussi. Regarde. Concentre-toi sur la route. Ils sont bien détaillés et tout. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule. Faut pas rester là. Ok. Oh bordel. La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. Non. Fonce mon frérot, fonce. Regarde-moi. Ça, c'est plus dur à la manette que à la souris. Je suis pas encore habitué. Ok. Moi et mon aim, ça fait pas deux. Ok. Oh. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une petite assistance à la visée là qui est bizarre. Oula. Chingan à su madre. Oh. Il est là. Bah mon rêve. Apprends à conduire. Pas qu'on s'arrête. Touché. Je
Ah, c'est dur de viser. Oh. Parce que c'est tellement horrible l'assistance à la visée. Bah moi je pense que ça va quand même bien m'aider parce que je ne sais pas viser avec une manette. Mais Je suis trop vieux pour ces conneries. T'arrêtes pas. On peut pas rester là. Mais j'avoue que là c'est un peu bizarre parce que en fait c'est au moment où tu tires, t'as se décale tout seul. Je sais pas comment dire. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Il a enculé la bagnole là. Oh, il a enculé la. Il nous avoir. Il a enculé les. De la contrebande. Chingalo. C'était censé être un job tranquille, sans accroc. Imaginez, ils font un équivalent à GTA 5, tu vois, le coop de GTA 5. Genre en mode tu peux faire partie des nomades, etc. quoi. Hey, si tu penses que c'est ma faute, t'as qu'à me le dire en face. Je sais pas. C'est ta faute? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimbalait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent? Et s'en tirer comme ça? Ça serait incroyable. Il a supposé qu'on avait pas de clan pour nous soutenir, et il a eu raison. Penderamenter et des colons. On fait quoi maintenant? On a passé la frontière. Maintenant tu me payes, et on part chacun de notre côté. Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo contre un bal. Et tu pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement? En fait, j'allais pas te payer du tout. Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière. Mais... t'es un chic type. Oh, Jackie. J'apprécie ton honnêteté. Jackie. Jackie, c'est vraiment le bon gars. Alors, c'est quoi la suite? Bah, qu'est-ce qu'il est beau ici. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, mais je crois que je sais ce que c'est. Ouvre-la. Je crois que c'est l'outil militaire là qu'on doit aller vendre au désosseur par la suite. Il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Ah non. Non mames. Un vrai iguane. Des petites antilles, je crois. Ah mais non, mais il le garde en plus derrière ça. Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous? Ouais, partenaire. On va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. J'y avais déjà trouvé un nom. Manny. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City? Pourquoi tu demandes ça? Parce que je sens que tu vas avoir plein de temps libre et pas grand-chose à faire. Et à Night City, tu peux pas vraiment t'en sortir sans pote. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Merci, c'est vraiment sympa. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé hey. Non, il veut que tu le caresses. Ok, partenaire. Ouais, il est beau, le lézard, par contre. Il était très très beau, le lézard. Hein. I said it. C'est Stanley qui vous parle. Ok, là je vais juste contempler là. Qui nous attend dans la suite des rêves. Oh, c'est la maman. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année. Et encore, ouais. Bah ouais, c'est toi, Fips. Night City, alors. Oh, c'est la copine, c'est plus son nom. Oh, c'est le de Charcutoc, j'ai plus son nom aussi.
Bah. Oh la tête de détraqué là. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière. Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City. La cité des rêves. Oh là là. La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Même les transitions sont belles. Doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappée. Oh. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement. Ah oui, c'est le didacticiel. Tu veux te remettre à niveau? Bon, je vais pas le faire. Dis un petit exercice de tir en VR. On va pas le faire. Pas maintenant, Jack. Pas le temps. Peut-être plus tard. Ok. Mañana. 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 C'est parti. Ah oui, ça c'est le boulot pour Wakako. C'est comme ça que ça score. Par ici. Placez une grenade dans l'emplacement rapide des gadgets de combat de votre inventaire pour y accéder facilement. C'est quoi le... Ah c'est ça. Ok. Comment on fait? Ah oui c'est là. Grenade IEM, grenade aveuglante. Okay. Vitalisant et max doc. Point. Ah, on peut voir la puissance de ton arme. Et là, on peut se désarmer. Ok. Donc là, si je fais ça. Attends. C'est ça, ça me désarme. Ok. Bam. BG le petit pote. La cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Eh, hey, on va arriver à temps, Bug. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. Et Sensei. Charmant. Comment vas-tu? Bien. Je redécouvre. Vous pouvez pas vous calmer. Cyberpunk. On y est presque. Ouais, Bug. Toi, concentre-toi. Il fait limite mal aux yeux. Ouah, les ambiances. Trouvez le 1237. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visu sur son biomoniteur. Avec un peu de chance, on n'arrive pas trop tard. Oh, je déteste quand ça se joue sur le fil. Rentre chez toi, là. Rentre chez toi! Ouais, ouais, essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V? Allez, plus. Hein. Mais regardez. L'air d'avoir rien. Putain, avec la lumière en plus, on voit pas grand chose. C'est curieux. Le piratage! Moi j'ai envie de jouer avec le piratage, donc je pense que on va vraiment se tourner vers le netrunning. On arrive trop tard. Ça m'intéresse. C'est notre cible. Oui, ça c'est pas ça. Oh, wow. La lumière et les décors sont tellement beaux. Ça change de LOL, ouais. Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de reposer ta tête de... Hey, tiens-toi prêt. Mène des roses droitement. Ok. Quitte-le en silence, mais... Comment ça copie? Ah, ça fait que ça, ok. Tout doucement, mais... Ils savent qu'on est là. Oh, il y a une jauge de vie maintenant? Ça. Des munitions. Un scalpel émoussé. You. Garde ton calme. Ils vont nous voir. Faites gaffe. Il y en a d'autres qui rappliquent. Ils sont presque là. T'es un sort de mes couilles. Oui, V. Ils arrivent. Attends le bon moment.
Marcel Bloody Piggy. On peut du coup changer notre personnage ? On verra ça plus tard, je crois que c'est sur... C'est quand on est au... chez nous. Là on peut changer de personnage. Il grouille comme des cafards. On attend et on se prépare au carnage. C'est trop bien maintenant, il y a une barre de vie. Oh, il a un Gandala. Oh. Attends, mais c'est juste... Je suis obligé, en fait. Putain, comme je t'avais dit sur LoL, mais j'ai des trucs pas mal avec Echo, tu déchires avec tes conseils sur les mécaniques. D'ailleurs, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir. Bien joué. Mais il y en a sûrement d'autres. Allez, continue. Je suis avec toi, Vince. J'ai essayé d'être discret, ça s'est bien passé. Comment on tape? Ok, c'est comme ça. C'est vrai qu'on peut parer les balles maintenant. Attends. Merde. Comment se heal? Ah, c'est comme ça. Ouais, j'ai y pensé. Oula. Mort? Ah non. Attends. On va quand même y aller au pistolet parce que là j'ai vraiment abusé et je n'ai plus d'HP. Je peux pas le... je crois pas que je puisse parer les balles. Attends, comment on change les armes? Ah, mais il me redonne des HP comme ça? Ok. Il est là-bas. Pourquoi en fait, pourquoi ne pas jouer au... Oula. On est coincé. Merde. Bouffez ça, cabronnes. Il est dans une pièce qui donne sur le balcon. Éclat de progression qu'on fait de l'XP pour la compétence Shinobi. Non, non, mais ça... Attire son attention. Je me charge du reste. Je viens de finir de pirater la porte. Saisis-toi. Soyez prudents. Détecte aucun mouvement. Ok. Vous l'avez eu, on dirait. Vous pouvez continuer. Merde, elle est où notre cible? Cherchez partout, elle est forcément quelque part. Je suis officiellement le guerrier shinobi à nouveau. Par contre, s'il y a moyen que je baisse un peu la sensibilité, parce que c'est un petit peu trop élevé, c'est... ça me dérange un petit peu, j'avoue. Hop, paramètres. Commande? Jeu. Ah. Sensibilité. Zone morte interne. Je sais peut-être là. Ah, il y a une, on peut réduire l'aide à la visée, ok. Commande. Alors, sensibilité de la conduite. Ah non, c'est à la souris ça, manette du coup. On va mettre à 12. On va tout baisser et puis on va voir si c'est mieux. Ah oui, c'est plus... c'est plus agréable. Bon bah c'est bel et bien une run samouraï. Ouais. Putain, elle est là. De bordel de merde. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. Je me connecte. C'est pas bon signe. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde.
La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Carrarro, T-Bug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Du boulot de bouffeur de scope, donc. J'ai une idée. Regarde son neuroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Ouais, il y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour, Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Mmh. L'équipe d'évacuation d'urgence... Mets-toi en PLS, s'il te plaît. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Oh merde! Elle fait un trépas! V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, Eripo! Merde, ça craint! Attrape, essaie! Tout va bien. Je crois. Putain, ça a marché. Fuera, cabron. Emmène-la dehors. Voilà. Fuera, sors-la d'ici. La terrasse. Les jeux de lumière sont vraiment beaux, hein. Très bien, chef. Déposez la patiente au sol. Cinq pas en arrière. Allez. Ah frère, t'es pas obligé de me dégager comme ça. Un peu de respect et de gentillesse, non? 133 à contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. Attitude non appréciée. Il est hors de sortir le katana. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot, on a réglé ce merdier. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Ah, c'est Misty, c'est ça. Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, V. Merci. Respect. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant. Je suis claqué. Non, j'ai failli oublier. Faut appeler Wakako, lui dire que le boulot est fait. On doit aussi check les rêves de la série Cyberpunk Edge Runner. Comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui était convenu, non? Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux, même tout de suite. Oh, la thune. J'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Jouer à Jack and Daxter je aussi. Je te voir plus tard. Paraît que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduis. Allez. Ah, c'est l'intro du jeu là. Avec oh là là. Premier degré, j'écoute souvent cette musique.
je kiffe Night City. La ville est belle, hein. C'est une ville comme une autre, mais en plus grand. Non, Mano, elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackhand, Andrew Whelan, Adam Smasher. C'est ici que naissent les légendes. Putain, je crève la dalle. Si on allait se manger un morceau, qu'est-ce t'en dis? Jackie, vous bouclez Watson, tu te souviens? Ah merde, c'est vrai. Je suis parano. Ah merde, je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Je suis rado. Mais j'aime pas ça, du tout. T'es des os! Bande d'enculés! Oula. Putain, Jackie, roule! Allez, vite! J'essaye, arrête de zigzaguer! Accroche-toi, V! Putain de merde! Oh, madame, là. Merde, pardon! Решите его, и я проставлю! Vous avez eu, les connards! V, vise le conducteur! Chasseur de tête. Let's go. Ça fait quoi, chasseur de tête? What? Ah mais c'est vrai qu'ils ont refait tout l'arbre. Oh, j'avais oublié qu'ils avaient refait tout l'arbre. Réduit la visibilité pour les ennemis de 10%. Tout l'arbre de... Bah, tout l'arbre de compétences a été refait. Ah, augmente la vitesse de déplacement. Oh, quand tu deviens un shinobi, t'augmentes ta vitesse de déplacement. Charger ou esquiver. Point d'avantage. Oh. Stylé. Du coup, normalement, ils ont refait tout aussi. Oh, ils ont tout refait, c'est stylé. Hein. Oh, on va se pencher là-dessus, hein. Morfler ta pauvre caisse. Désolé, V. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Oh là là, la couleur! Dire qu'ils ont mis le paquet. Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cœur en or. Regardez ce beau parleur. Un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée? Ouais. Elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance. Vous voyez? Mmh. C'est une raison valable. Mmh. Laissez-les passer! C'est les derniers! Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame l'agent. Oh non. Il a fait de l'effet, on dirait. C'est la dévotion dont j'ai fait preuve qu'il a prise au trip. Ça doit être ça, hein. C'est ça. Je suis ultra loyal, stable en amour. Mm-hmm. Quel chat en or, ce Jackie. Incroyable, Jackie. Hein. All night, every night. Pas une descente ordinaire. Parce que c'est pas des flics ordinaires. La Max Stack. Ça, c'est la Max Stack. À côté de l'ENCPD, c'est des comiques. La Max Stack se pointe quand ça chie vraiment. Des pommards comme ça, ils en bouffent au petit-déj. Bon, ben on dirait que le spectacle est fini. Oh, ils les ont démolis.
Genre, il vit là, là. Ah. Allez, il peut passer le trajet. Vas-y, bonne nuit. Bonjour à Misty. Ça marche. Aïe, le wake. Level up. On a officiellement un point d'attribut. Oh là 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 là. Alors, attends. On va tout regarder pour renseigner. Alors, boucherie. Ça, c'est... affecte uniquement les fusils à pompe. Uniquement les mitrailleuses légères. Lorsque le mode poussé d'adrénaline est activé, 20% de récupération des objets de santé lorsque vous neutralisez un ennemi. Poussé d'adrénaline. Plus 35 points de santé maximale, ok. Plus 20% de régénération de santé bonus à tous les effets de régénération de santé. L'adrénaline est indiquée par une barre jaune et vous octroie des points de santé supplémentaires en absorbant les dégâts. Cependant, elle diminue progressivement. Ok, ça, ça peut être fort. T'as un proc triomphe ou je rêve? Je te jure, c'est ça. Hein. Coup de grâce, frappe sauvage. Uniquement avec les armes contendantes. Ouais. Donc pour le moment, nous, ce qu'on a l'air de plutôt vouloir, c'est capacité technique. C'est ça qui augmente les lames? Je sais pas. La bombe à retardement. Charge une puissante UIEM qui touche les ennemis à proximité. Ok. Edge Runner vous permet de dépasser votre cybercapacité de 50 points au maximum en réduisant votre santé maximale de 0,5% par point. Lorsque vous neutralisez un ennemi durant un combat, vous avez 0,1% de chance par point au-dessus de votre capacité d'entrer en état de fureur. Cet état vous confère plus 10% de dégâts, 30% de chance d'infliger un coup critique, 50% de dégâts critiques. C'est ridicule ça. Très fort ça. Très très fort. Les éclairs en chaîne. Éclair inflige maintenant des dégâts électriques et crée un arc électrique pouvant électrocuter jusqu'à 3 ennemis à proximité. Uniquement les armes techniques. C'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Nous on veut les lames. Attends. C'est là-dedans qu'il y a les lames du coup? Oh. Ok. Attends, c'est dans quoi? C'était peut-être dans réflexe. Celle dans la plaie. Tirer sur les mêmes cibles une 7 fois de suite lui inflige des dégâts supplémentaires égaux à 100% du total des dégâts des tirs précédents. Ouais, c'est un proc kraken quoi. Pour le plaisir de mitrailler. Plus 25 d'endurance lorsque vous effectuez une charge aérienne ou un double saut. Oh, on peut faire des doubles sauts. Les charges aériennes ne consomment pas d'endurance. Oh. Massacre. Affecte uniquement les lames. Ok, on a trouvé. Les attaques, les contres et les balles déviées causent une hémorragie qui augmente les chances de démembrement. Comment ça, les balles déviées? Moi, j'avais entendu parler de ça, mais on peut vraiment le faire? Et les rend plus vulnérables aux coups de grâce. Ça ne peut pas les tuer, mais ils peuvent se faire prendre des coups de grâce. Protection d'acier. Affecte uniquement les lames. Vous permet de bloquer les projectiles ennemis avec des lames, mais consomme de l'endurance. C'est incroyable, ça! Ah, et t'as des glissades améliorées. Ah, cool. Augmente la distance des glissades, augmente la vitesse de saut et d'escalade. Vous permet de recharger une arme en sprintant, en glissant ou en sautant. Et vous permet de tirer en glissant, en sprintant ou en sautant. Et c'est quoi au milieu? Ainsi, ça, plus vous vous déplacez vite, plus il est difficile pour les ennemis de vous tirer dessus. L'effet augmente lorsque vous chargez, esquivez, glissez, sprintez ou sautez. On va prendre ça. Hein. Moi, je vais aller prendre les points de lame. Je vais prendre les points de lame. Affecte uniquement les lames, augmente les dégâts contre les des contres et leur chance d'étourdir. Ok. Dernier samouraï. Lorsque vous effectuez une attaque puissante, vous sautez automatiquement sur les ennemis à portée. Ah, ça me met très bien. Regarde là. Voyons.
Déviation des balles. Lorsque votre endurance est supérieure à 33%, les projectiles que vous bloquez sont désormais déviés dans la direction où vous visez avec votre réticule. Les dégâts des balles déviées sont augmentés si vous les bloquez juste avant qu'elles ne vous touchent. C'est ridicule ça. Bullet time. Lorsque le temps est ralenti, déviation des balles ne consomme pas d'endurance et les balles déviées touchent automatiquement les ennemis en leur infligeant des dégâts critiques. L'âme funeste. Appuyez sur X lorsque la santé d'un ennemi est faible. Restaure 25% de santé. D'accord, donc en gros, t'as un finisher qui te redonne des HP. C'est trop bien. Plus 25% à la vitesse de déplacement et à la vitesse d'attaque pendant 6 secondes lorsque vous réalisez un coup de grâce. Broken. Les ennemis affectés par un effet de renversement, d'étourdissement, d'aveuglement ou d'hémorragie sont plus vulnérables au coup de grâce. Sachant que ça, là, ça met l'hémorragie forcément quand tu fais des trucs avec des lames. 100% à la portée des coups de grâce. C'est ridicule. Ah ouais, ça a l'air incroyable. Et moi, du coup, je voulais faire du net running. Identifie automatiquement les points d'accès et les caméras à proximité. Si les transferts sont effectués via une caméra, les piratages rapides et tout. Ok. Mort au chiffre réduit la longueur de la séquence requise pour pirater les points d'accès de 1. Les longueurs totales de la séquence ne peuvent pas descendre en dessous de 2 caractères. Ok. Déverrouille la mise en file d'attente des piratages rapides, ce qui vous permet de lancer jusqu'à 2 piratages rapides sur un même ennemi. Les piratages rapides dans la file d'attente se chargent automatiquement dans l'ordre où ils ont été ajoutés. Lorsque vous êtes la cible d'un netrunner ennemi, vous pouvez le contrer avec un piratage rapide à travers les murs et les obstacles. Ok. Lorsque vous êtes la cible d'un netrunner ennemi, utiliser un piratage rapide contre lui propage aussi l'effet du piratage rapide à ses alliés. Ça a l'air ridicule ça. Lorsque vous neutralisez un ennemi, vous récupérez 80% de la consommation de mémoire vive de tous les piratages rapides restant dans la file d'attente. Ah ouais, non, c'est ridicule ça. 25% au taux de récupération de mémoire vive par piratage rapide actuellement dans une liste d'attente. Ouais, le but c'est de lancer plein de trucs quoi. Plus 1 à la mémoire vive. Ok, bon ça c'est pour pouvoir avoir plus de spells on va dire. Moins 1 au coût en mémoire vive du premier piratage rapide de chaque catégorie unique placée en deuxième position ou plus dans la file d'attente. Ok, ça va falloir que je me penche dessus parce que je comprends pas tout. 50% à la vitesse de transfert du premier piratage rapide lorsque vous avez placé au moins 2 piratages rapides dans la file d'attente d'un ennemi. Ah ok. Oui, il va plus vite à se faire. Câble sous tension. Déverrouille un coup de grâce de monocable. Plus l'ennemi a de piratage rapide dans sa file d'attente, plus il devient vulnérable. Restaure 15% de santé et 5 de mémoire vive. Ah oh ouais. On peut avoir 3 piratages rapides en même temps du coup. Ça a l'air stylé ça. Lorsque le mode overclocking est activé, plus 40 points de santé par piratage rapide dans la file d'attente d'un ennemi au moment où vous le neutralisez. Waouh, il y a l'air d'avoir des folies hein. Attends, ça c'est pour jouer avec le monocable. Oh, j'avoue que le monocable, ça me parle un peu quand même. Plus que les lames, le monocable, ça me parle un peu. Hacker des voitures. J'avoue que l'intelligence, là, ça me donne un peu envie. Je peux mettre des points dans des trucs. On a dit que les réflexes, c'est ce qui me permettait d'augmenter les lames. Mais... Attends, comment on met des points? De toute façon, on peut tout réinitialiser hein, maintenant. Oui, on peut réinitialiser tout maintenant. Ouais, parfait. Sojasil Makistador, une explosion de saveur. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour le premier épisode? En soi, il dure 50 minutes, ce qui est correct. C'est une bonne durée d'un premier épisode, non? Comme ça, on se retrouve pour le prochain épisode sur YouTube. Ils sortiront régulièrement, je sais pas exactement
la durée de sortie, mais le but c'est d'avoir des épisodes à peu près réguliers. Bref, YouTube, merci à vous pour le premier épisode, je sais pas ce que vous avez pensé du début du DLC. Moi le jeu me hype de fou, donc on fera pas mal d'épisodes régulièrement, le but c'est d'essayer d'en sortir assez souvent pour que ma chaîne YouTube reste active aussi, ça serait pas mal. Bref, ciao YouTube, n'hésitez pas à liker et tout.